Salut tout le monde. Alors, on continue donc la suite des aventures de Resident Evil. On va voir si on va pouvoir le finir ce soir. Je sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti. Salut Psycho, salut Chloé. Pareil, comme d'habitude, double diffusion, YouTube et Twitch, à vous de choisir la plateforme qui vous arrange. Salut Babar, j'avais pas vu ton message. Salut à toi. Alors forcément, je regardais que YouTube. Alors, décidément, ce DLC, c'est pas tout de suite pour tout de suite. Je vais mettre chargé partie, comme ça, pas de souci. Donc c'était laquelle, la dernière? Sauvegarde de titane de test. Je sais, ouais, ça doit être elle. 9h20. Ah, ça c'est la sauvegarde toute seule, ok. Premier, non, ça c'est la zone de test premier à 9h30. Donc c'est elle en réalité la dernière. C'est même pas la sauvegarde automatique. Ok, allez, donc c'est sur cette sauvegarde qu'on va continuer. Jeu dangereux. Après avoir anéanti Marguerite, Ethan découvre le bras de série D qu'il doit rapporter à Zoé pour créer un sérum. Il se rend à la caravane mais n'y trouve pas Zoé. Au lieu de cela, Ethan reçoit un appel de Lucas qui a prévu un tout autre programme. Eh ouais, ce chieur de Lucas. Salut Babar! Merci pour ton follow, papa. Bienvenue à toi. Salut Kero. Alors, donc, je sais plus, j'avais le droit d'avoir des objets sur moi. Ils m'avaient déjà tout dévalisé, je crois. Ouais, j'avais pas encore tout enlevé. C'est ça. Ah, c'est pas grave, je l'enlèverai là-bas, sait-on jamais si je croise une bestiole en cours de route. Alors, attendez, il était où déjà, lui? Je suis dans la salle de sauvegarde. Et il me semble que je dois redescendre au rez-de-chaussée. C'est bien ça. Allez, on va faire le tour. Ah d'accord, ok, va voir. Ce qui m'a semblé, je sais pas, je me suis dit, il doit avoir plusieurs comptes. Je sais que certains ont plusieurs comptes. Ouais, je me pose pas la question. Oh sérieux, j'espère que j'aurai pas ces bestioles qui vont venir me casser les pieds. Alors lui il va exploser, c'est pour ça que je peux pas le toucher. C'est un piège. Et voilà la salle. Attendez, y a un bug. Là, j'ai encore toutes mes armes avec moi. Non? Ah non, j'ai rien. J'ai rien du tout, ok. Bon, allez, c'est reparti. Donc, on doit résoudre l'énigme. Pareil. Sauf que cette fois-ci, on sait qu'en réalité, ici, on va se faire tatouer si on touche.
Ok, allez, on va rechercher ça. Et ça, je peux pas y toucher tout de suite, il faut que j'active tout de l'autre côté. Pareil. Ok, ça. Ici, les écrans. Ça, on peut pas le toucher, pareil. Ok. C'est quoi déjà le code ici? Ouais, je peux pas toucher encore ce code-là. Bien, que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con! Ethan, ton langage! Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part, par enfin, je crois. J'en sais trop rien, en fait. Salut, Luvatori. Salut, nouveaux arrivants. Ok, allez, c'est parti. Donc ici, par contre, j'ai pas compris pourquoi ça m'a ouvert un trou. On va le faire. C'est ce truc qui diffère vraiment de ce que j'ai vu sur la vidéo. Mais bon, sur la vidéo, le problème, c'est que celui qui était piégé là, il s'est fait cramer. Donc on va éviter de tuer aussi notre personnage. Ok, ça n'arrête pas de couler. C'était quoi déjà ici le code? Je m'en rappelle plus. C'était ça, je crois. Ouais, c'était ça, ça va. J'ai pas oublié finalement. Allez, on prend ça. Donc la poupée, on sait déjà qu'on va devoir la cramer puisqu'on l'a fait déjà avec le personnage, celui qui a laissé sa vie. Ok. Déjà commencer par allumer ça, ce sera pas mal. J'aurais pu lire, hein. J'ai appris ma leçon. Allez, on allume ça et on va faire cramer cette poupée. Ok, et ça. Allez, un petit barbecue. Il a marqué You, toi, sur la poupée. Ok. Et j'ai ceci. On va pouvoir le placer. Donc, il faudra pas que j'enclenche immédiatement la bougie d'anniversaire. Il faut que je trouve un moyen de ne pas cramer. Alors, lui, on va lui donner ça déjà. Apparemment ça sert à quelque chose, il n'y a pas d'eau qui sort, donc il faut que j'ai besoin d'eau ici. Ça aussi, l'autre n'avait pas réglé ce problème là. Ah, ok, télescope sale. On va maintenant s'occuper des ballons. Ok, ouais, je sais, il y a le télescope dans l'inventaire. On va s'occuper des ballons. Télescope, en réalité, j'en ai plus besoin a priori pour l'instant. Parce qu'en réalité, c'était pour voir le code qui était là. Ok, on va cramer ça. La bonne soupe. Dégoûtant. Ok. Le ballon. User, c'est ça le mot de passe, parce qu'en réalité on le connaît déjà, nous, le mot de passe. Ok. Voilà. Alors, on va prendre ça. On joue au ballon au passage. Voilà, on va l'exploser quand même. Il faut qu'on trouve une solution par contre.
Allez, ça va m'exploser la figure, je peux pas, c'est fait exprès, je peux pas reculer mon personnage, vous allez voir. Là, je peux plus bouger. Ouais, voyez. Voilà. Donc il y a un truc que je dois faire avant, parce que si je vais directement dans cette pièce, je vais cramer moi aussi. On va lui donner sa plume à lui. Ouais. Allez, on va aller dans notre pièce déjà et voir ce qu'on peut faire. On va, tant qu'à faire. Alors, on va utiliser ça déjà. Voilà, ça va le nettoyer. Au moins, ça sera fait. D'accord. Bon, moi, c'est validé. Alors maintenant, il faut que je trouve une solution. Je peux pas allumer le gâteau tout de suite, sans quoi je vais cramer. Ouais, mais je sais bien que ça coule. C'est ça qui va me faire cramer. Il y a un espace derrière ce mur. Voilà, j'avais bien compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet espace? Allez, on trouve. Quoi faire d'autre? Alors, attendez. On va peut-être allumer la bougie. C'est peut-être, je dois faire peut-être quelque chose avec. Ouais, mais non, j'irai pas là-bas. Tu fais ce que tu veux, j'irai pas. Ah non, je pense que j'aurais pas dû la rallumer. Je pense qu'il y a autre chose que j'aurais pu faire. Ah. J'aurais pas dû la rallumer. Ça veut. Ouais, mais ça veut pas fonctionner, ça. Peut-être que c'est toi que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est ça? Est-ce que j'étais peut-être censé faire quelque chose avant à crever? On va voir. Le problème, c'est un peu con si je me fais tatouer le code, parce que lui, il connaît le code, il a vu la vidéo. Non, on peut pas l'utiliser, on peut rien faire ici. Il y a un espace derrière le mur. Le problème, c'est que j'ai essayé de passer là-bas. Ça va, cette sortie, elle va, cet accès va être bloqué. A priori, quand je vais commencer à cramer, j'aurai encore le temps de contrôler mon personnage, mais je vois pas où aller à ce moment-là. Il y a bien cette ouverture. Mais j'ai rien pu faire après avec. Il me reste quoi? Il me reste juste ça dans l'inventaire. Je vois pas trop pourquoi j'utiliserai un télescope alors que je suis en train de crever. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il a pas cramé alors que j'ai une bougie en main. Rien du tout, non. Il n'y a aucune interaction avec. Allez, on va mettre la bougie. Je vais commencer à voir déjà. Qu'est-ce que je pourrais. Allez, on va cramer par contre là. Je peux pas bouger là, c'est bloqué, c'est exprès. Voilà, si c'était juste ça. Ok, ça bouge pas. C'est ça.
Ouais, ça va faire commencer ici à chaque fois. Y a un truc qu'il devrait faire. Mais je sais pas. Peut-être pas prendre le. Ah, d'accord. Pas l'ouvrir. Je sais, je viens de comprendre. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez. Je viens de comprendre. Non, attendez. Le truc, le tournevis, il m'a servi à rien. Il faut pas que je touche le bidon d'essence. Moi, je l'ouvre systématiquement alors qu'en réalité, la clé que j'ai dans la main, elle me sert à rien. L'erreur, je la fais à chaque fois. D'accord. Je viens de comprendre, c'est bon. Je viens de comprendre. Oui, ça va, ferme la porte. Passe une bonne journée. Pauvre con. Allez, je viens de comprendre, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça vient de cliquer dans ma tête. Parce qu'en réalité, cette clé, elle m'a jamais servi à rien, même pour l'autre. Ok. D'accord. Bon allez, on va directement dans la salle d'anniversaire. Eh bien, on va pas toucher à ça. On va laisser. Bien, que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, Par contre, pas de Lucon. réponse, Babar. En mette pas. Pas de Ton réponse, s'il te plaît. langage. Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part, t'en rends pas, je crois. J'en sais trop rien, en fait. Allez. Bon, ça, voilà, c'est bon, ça me l'a activé. Donc c'est ça que je vais pas toucher cette fois-ci. J'y avais pas pensé. Ça, on va l'enlever. Pas de soucis, pas de soucis. Alors ça, allez, le code, puisque j'ai besoin de la poupée. Elle est où là? Elle est là. Ok, la cloche et les fœtus. Il est plus d'ailleurs en fait un. Lucas, il est plus un intellectuel. Je suis même pas sûre qu'on va l'affronter de la même manière qu'on a affronté ses parents. On va voir, mais j'en doute franchement. C'est plus un intellectuel, Lucas. Ok, donc on va rallumer la bougie. On va s'amuser à faire exploser les ballons de l'autre côté. Je reste devant. Voilà pourquoi je m'éloigne à chaque fois. Allez, on rallume ces bougies, on fait un petit barbecue avec la poupée. Ok. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir sur la vidéo si ça marche, ça, qu'on n'avait pas le bouchon. Moi, sur la vidéo, je ne le savais pas. Donc, j'ai fait bêtement tout ce qu'il y avait à faire. En plus, j'ai bloqué un moment avec vous ici parce que je ne trouvais pas. Donc, à voir. Ok, lui, on lui a remis son doigt. Ça, on va l'ouvrir. Dégoûtant, répugnant. J'espère que vous avez tous fini de manger. Je sais pas, on va laisser ça. On va pas le toucher. On va ouvrir le salle là-bas. Je sais pas si ça sert. Ah si, j'ai besoin du ballon, oui. Je pense que ça débloque l'action. Ouais, si, ça sert. Pour la salle qui est derrière. C'est ici. Lui, on va lui donner sa plume, mais je sais même pas si en réalité ça sert à quelque chose de donner sa plume puisque je l'active pas en réalité le tomate moi. Non, pas ça. Ah d'accord, j'ai pas activé le truc. Ok. On lui a donné sa plume. On s'approche pas de lui sans quoi il va nous tatouer.
Ah, mais en plus, j'ai même pas tapé le code à côté. N'importe quoi. On va débloquer ça. Oui, en réalité, j'ai pas besoin de m'occuper du. Il suffit juste que je m'occupe du code. J'ai même pas besoin de m'occuper de la petite marionnette. Loser. Ok. Avoir un clou dans la main. Absolument. J'aurais pas dû le faire, t'as bien raison. J'aurais pas dû le faire, ça sert à rien de mettre, mettre ça. Mais je sais pas si ça me débloque les autres actions. Oui, si tu veux, vas-y, crame-moi la bougie. Attendez, voilà. Ok. Donc y a pas d'essence ça maintenant, ça va. Enfin d'essence ou je sais pas ce quoi, mais je crois que c'est de l'essence qui m'a foutu dans ce cas, dans ce truc là. Ouais, je pense que j'aurais pas dû toucher la main, mais c'est pas grave. Il a un clou dans la main, c'est pas plus pire que ce qu'il a tout le reste. Ok. On va mettre la bougie. Alors. Barre-toi, putain. Ah, il laisse un peu de temps dans le cas où on trouve pas tout de suite. C'était censé être pour toi, putain de merde. Ça, c'est Dead by Daylight qui nous a donné de mauvaises habitudes. J'y suis pour rien. Je lui ai mis de la tête. Ouais, on touche pas. Ah ouais, a priori j'ai plus rien à faire là-bas. Je vais quand même refaire un tour, vous savez bien que j'aime bien vérifier. A priori y'a plus rien, hein? On est bien d'accord, y'a plus rien. Toi tu me toucheras pas. Ouais c'est tout. C'est tout. Allez on y va. Putain j'ai toujours pas d'armes moi. Ah, il était là le petit con. Ah voilà mon inventaire, ok. Oh, y'a rien à faire, je prends d'abord mon inventaire. Après on s'occupera de tout le reste. Je récupère mes affaires. Ah d'ailleurs j'ai pas remis les piécettes, j'ai complètement oublié. Mais il m'en faut 9 en réalité, donc même ça suffira pas. Mon couteau. Le remède. Lance-grenade, pistolet. Ouais, c'était ce pistolet-là. Il y a un autre pistolet, je sais pas. Ouais, je regardais ce que j'ai foutu. Ah, voilà. Non, c'est. Ouais, on va le garder. Il a encore des cartouches, le problème. C'est. Alors, attendez. Lance-flamme, ok. Là. Voilà. Poudre à canon. Munitions. Machin. Voilà, c'est celui-là que je sais pas trop encore quoi en faire. Ça va sans doute venir. Et les clés, moi les clés, je sais pas encore quelle porte il me réserve. Ça d'ailleurs, enfin, je vais pas encore utiliser. Et, ok. Et tout le reste, je m'en fous. Ok. On va rester avec ça. Ça, on va le charger par contre. Ok. Ok. On va rester avec ça. Allez, c'est parti maintenant. Il n'y a pas de souci, on peut visiter. J'ai mes armes. J'ai retrouvé mon inventaire. Le plan de la zone des tests. Ok.
On me demande de faire une sauvegarde. Ah, c'est sans doute parce que justement, il va y avoir quelque chose. T'as sérieux, leur sœur. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Mia? Mia! Mia! Qui es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. Fais vite. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? T'as... mort? Le moment n'est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance! Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille... Ce serait très compté la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. Salut, nouveaux arrivants. Comme vous savez, je peux pas lire tous les messages. On va sauvegarder. Je sais pas qu'est-ce qui me prépare derrière. Peut-être que je vais l'affronter. Où est-ce qu'on va sauvegarder ça? Sur quel... ça, c'est 9h, 9h, 6h, 6h, ok. Et 5h. Ça va, celui-là. Ok, on y va donc. Oh, je sais que j'ai le plan, mais j'aime bien découvrir par moi-même avant d'avoir le plan et de regarder un peu qu'est-ce qui se passe. On a des cartouches, d'accord. Ah, le levier. Faudrait peut-être que je l'utilise. Ah, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté de la jetée, elle avait raison, effectivement. C'est comme elle a dit, Zoé. Donc, vous l'avez compris, quand même, c'est Zoé qui était attachée avec... comment ça s'appelle? Avec Mia. Mia la pouf, qui m'a gonflé à un niveau. Je fais pas partie des fans de Mia, par contre, vous l'avez sans doute compris. Levier, j'ai dû le ranger, moi. Il est où, le levier? Ah, oh, il est là, la manivelle. On va en faire usage. Il faudrait que je revienne le poser. Alors, ok, ici... Ah! Elle m'a tronçonné la main au début. C'est son coup de tronçonneuse. C'est parce qu'elle m'a tronçonné la main. La main qu'on a là, agrafée. Vous voyez l'hexagraphe, c'est dégoûtant. En sérieux, on se donne du mal pour venir à chercher, elle vous tronçonne la main pour vous accueillir. On va enlever la manivelle. Parce que j'ai pas de place dans mon inventaire. Et je préfère ne pas utiliser tout de suite le fluide. Je sais bien que je peux gagner de la place en utilisant le fluide, mais c'est parce que j'attends de voir qu'est-ce qu'on me réserve. Pour voir s'il est plus utile d'utiliser pour le soin, et je pense que ça sera pour le soin, ou pour des munitions. J'arrive, Mia. Ok. Ah, c'est la baraque? Putain, mais sérieux, une maison pareille. Même en payant, j'irai pas habiter ici. Hein. Pas de spoil, fais attention. Hein. Moi, je connais l'histoire en réalité, mais d'autres ne le connaissent pas. Donc attention, pas de spoil, s'il vous plaît. Des bannes d'ailleurs ont été détribuées hier parce qu'il y a eu des trolls. Donc voilà, pour les nouveaux venus, ça, vous avez pu le remarquer. C'est tolérance zéro ici s'il y a des trolls. Je sais pas, je vais commencer par ici. Je sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé. Je verrai après au fond, il y a quoi. Ah d'accord, il y a un autre passage par là aussi. Allez, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Ok, j'ai bien fait de venir. J'espère qu'il n'y a pas encore des explosifs, sérieux. Je vais pas utiliser des balles à chaque fois. Non, c'est bon. C'est pas des explosifs. Ok.
Munitions de pistolet. On me donne des munitions de pistolet jusqu'à présent. C'est pas des munitions, des armes violentes. Habituellement, quand vraiment il y a un boss qui est très chiant, auquel on va être confronté, on me donne des munitions bien plus efficaces. D'accord, il faudrait que je reprenne la manivelle. J'ai plus assez de place dans mon inventaire. Donc il va falloir que maintenant je libère de la place, ok. Ok. Les munitions, on en a donné pas mal. On va se faire du soin. Ok. Je vais reprendre la manivelle. Ah, sans que c'est gentil, mais non, mais ceux qui se reconnaîtront, hein, ceux qui ont l'habitude des bannes, en réalité, certains, c'est inné chez eux. Hein. Ils ont un comportement inadéquat et ils se font accueillir de la... Oh, fait chier. Allez, on va y sortir. Pas ça, ça c'est trop violent ça. Où est le fusil? Pourquoi j'ai plus de... Ah, il est là. Ça fait chier. Bon bah au moins c'est fait. On sait qu'on a de la place dans la vente. J'ai plus d'armes. Ah mais il m'a bloqué, oui. Putain, j'avais même pas vu que j'allais traverser tout ce secteur. Ah mais non, je suis arrivé jusqu'à la maison. Si c'est ça, si. La manivelle a récupéré. Ah, commence pas à t'énerver. Sois bien gentil. Je préfère garder les munitions plus puissantes pour l'autre, hein, dans le cas où il se ramène. Là, ça me fait chier, mais bon, en prière, je recommencerai. Hein. Ça me fait chier d'avoir utilisé la potion, sérieux. Ah, fait chier. Je sais pas si on m'a refait repop des munitions ici ou pas. On fait jamais repop rien, moi. Ouais, y a rien. Je vais juste vérifier. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai tout utilisé. Le shotgun, il me reste ça. Et lance-grenade, mais j'ai des munitions d'ailleurs du lance-grenade moi. Munitions de piste.
accélérer. Combustible. Poudre à canon. Ça, c'est pour le combustible à la nuit, c'est tout. Bon, au pire, j'ai le combustible. J'espère qu'ils vont pas me refaire le poids les monstres, bon ça. Je l'avais dit, les monstres de la zone de traitement, je les aime pas trop. Décidément. Mais je sais pas, a priori je peux le tuer avec ça, j'ai plein d'armes. Enfin je peux les tuer ça, c'est sûr, mais ça prend trop de temps, sérieux, c'est pour ça. Un peu le nombre de munitions que ça me prend pour lui. Voilà. Rien pour lui, sérieux, j'ai dû recharger deux fois mon arme. Enfin, une troisième fois. Et alors dans ce jeu, la visée dans la tête, c'est compliqué. Je sais bien qu'il faut viser dans la tête, mais bon, j'ai perdu espoir. Il y a un moment, parfois j'arrive à viser dans la tête, mais c'est pas toujours évident. Des actions où justement on n'a pas le temps, il y en a dans un espace très restreint. Ah ok, d'accord. Ah c'est que maintenant que tu me donnes ça. Ah oh, c'est chiant. Un canon. Il y a des sauvegardes de partout. Maintenant on me donne les grenades incendiaires, d'accord. Donc il va falloir que... Alors attendez, c'est pas le fusil que je veux. Voilà, c'est bon, c'est lui. C'est lui qu'il va falloir prendre. Les herbes. Cartouche de fusil. Ah, j'ai plus de place. Ah oui, mais j'ai ça, ok. Bon, ok, on va l'utiliser, lui. Ok, je peux pas les utiliser tout de suite. Quoi là? Ah, c'est peut-être derrière la cabane? Parce qu'a priori, ouais, c'est derrière. Derrière, il y a un truc, on est bien d'accord. On peut monter? Non, ça sera fermé, on verra ça après. Donc il faudrait que je me rappelle, il y a un truc derrière. Ce truc là, on va commencer à vider ici pour qu'on sache, je puisse y accéder à ces trucs là si j'arrive à un autre spot. Qu'est-ce qu'on va éviter? On va l'enlever et au pire je reviendrai ici, c'est pas un problème ça. Cartouche de fusil. On va faire de la place avec les fusils. Allez, charge-moi ça. Ouais, mais il prend que 4 balles, ouais, ça revient au même, donc il n'y a toujours pas de place. Grenade incendiaire. Agent de séparation. L'agent de séparation, c'est pareil, on va le mettre là. Pour l'instant, je m'occuperai de son cas après. Ça, qu'est-ce qu'on va faire comme balle avec? Alors, soit c'est ça. J'en ai qu'une seule, ça. J'en avais fait au tout début du jeu. De toute façon, j'ai plus d'herbe. Munitions améliorées, pareil. De toute façon, j'ai pas la foudre.
C'est ça que je peux constituer en réalité pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Les suppléments. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'armes. Je vais le mettre de côté. Comme ça, je verrai bien. C'est lui qu'il faut que je garde avec moi. Ok. Salut ou bienvenue. Comme j'ai dit, je ne peux pas saluer tout le monde. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Ensuite, où est-ce qu'on va aller? Illidan, c'est pareil. Pas d'aide. Je te remercie. On va pas prendre le fusil parce que connaissant ma maladresse, je vais shooter dans le vide encore une fois. Ok. Faudrait pas que j'oublie qu'il y a un truc derrière la cabane, mais je pense qu'on va passer. Ah tiens, Mia. J'avais pas compris. Ok. Zoé? Zoé? Pas maintenant. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients? J'ai les ingrédients. Oui, j'ai... On te laisse accrocher. On parle d'ingrédients tout de suite. D'accord, ok. Bon, apparemment, il faut venir avec les ingrédients. Oh, sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah, je vais te les apporter, les ingrédients, mais je la sens mal, sérieux. Oh, la chieuse. Je prends les ingrédients, ça va mal tourner. Oh, sérieux. On va te les apporter, tes ingrédients. Je comprends mieux pourquoi il y a la salle des coffres en dessous. Ça pour l'instant. Où est-ce que j'ai mis ta tête de mort, ça? Allez, ouf. Ah voilà, il est là le bras. Et l'autre, il est là. D'ailleurs, c'est marqué la même chose. Oh, on va sortir de là. Ça, c'est donc il est écrit D002. Ok, difficile. À quoi ça peut servir? Et c'est pareil, c'est D0. Non, c'est un D005. Ok. Difficile d'imaginer à quoi ça sert. Ok. Oh, sérieux. Je la sens mal, moi, si tu les veux vraiment. Attends, alors, il faut la laisser attacher. Attention, elle vous demande les ingrédients. Elle veut pas être libérée. Hein. Elle est pas pressée de s'en sortir. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Bah, si tu veux. Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucan sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. On a le laboratoire à pas bon, apporter de moi. On fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Il y en a un pour moi. Zoé, Théris, à la maison. Je m'en occuperai de toi plus tard. Ça suffit pas. Ma nouvelle fille. Ça devient lourd, Jack. On va changer les munitions, on va prendre celle-là. Oh.
Allez, on va passer au suivi. Ah, oh, fais chier, je l'ai raté. Ok. Ah, c'est pas vrai. Il veut pas se relever, le con. Quel côté il est? Ah, ok. Ok, le train entre. Faut qu'il remonte. Putain. Okay. Je vais t'attraper. Non, c'est pas ça. Non, mais retourne-toi, fais chier là. Je l'avais vu, hein. Pas là. C'est parti de la famille maintenant. C'est quoi ça ici? Ok. J'allais être sans pire.
Il est pas où, je le vois pas. Ok, t'es là. Ah, oh, fiché. J'ai plus, ok. Le lance-flamme. J'ai besoin du lance-flamme, là, maintenant. Pas évident le dernier, où est-ce qu'il est de côté? Il faut que je trouve pour le shooter. La preuve. Où est-ce qu'il est le dernier? C'est par là. Oh putain, ne me crache pas dessus, c'est très impoli. Il est où? Je suis cramé. Hein. J'arrive pas à le trouver. Ah, il est là. Oui, toi aussi, arrête de bouger. J'ai besoin de te. Il faut que ça soit vous portant cette merde. Il faut que nous faut le ficeler. Hein. Un sacré sûr, je perds. Par là, après. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je sais pas si vider le chargeur va tout utile pour lui. Je vais essayer de le cramer quand même. On lance flamme d'abord et après je vais m'occuper du chargeur. Ça n'a pas l'air de faire quelque chose. Ah, tant pis. J'aurais dû commencer par l'autre en premier. Viser ses yeux rougeoyants. D'accord, ok.
dans ton propre sang avant que j'en finisse avec toi. Toi et cette... Octavia. Ah, elle est bien morte la mère, alors c'est bon, je m'en étais bien débarrassée. Bah va manger. Putain, merde, il est passé trop vite. Oh putain. Okay. J'ai bientôt épuisé les fusils à pompe. Il y a un autre œil ici. Cet œil que je cherche à voir. Mais descends pas, j'ai besoin de viser ton œil. Non, toi, arrête de bouger. Je montre. Oh putain. Putain, fait chier, 3 heures pour qu'il recharge une arme, même dans la vie réelle, ça va plus vite. Oh, fait chier, mais lâche-moi, je prends des munitions. T'en as de merde. Putain. Ouais, si tu veux. Allez, monte complètement. Monte, dépêche-toi. Mais monte, sérieux. Ok. C'est bon.
Attends. Oh, fais chier. C'est moi qui te demande ça, d'arrêter de bouger. On va lui envoyer le lance-flamme, peut-être ça va finir par griller quelque chose. Hein. Le lance-flamme, alors. J'ai l'impression que c'est toujours l'œil, un dernier œil sur lequel j'arrive pas à trouver. Il descend tranquillement l'échelle. La vie est très paisible pour lui. Il est pas en stress. J'essaie de tirer quand même dans le tas, c'est toujours jamais, mais non, c'est bien le dernier œil que j'ai besoin de viser. J'arrive plus à le trouver. Non, même pas. Apparemment pas, non? Il est en dessous là et je le vois bien, mais j'ai vraiment du mal à le lever. Finalement, sérieux, putain. J'ai plus aucune munition. Ah, il y a un autre œil. Change, mais change ces putains de munitions, en sérieux, petit con. Putain, il a pas voulu me les changer, les munitions. Ouais, presque, Chloé. Presque. Putain, j'aimerais bien viser le début, le treuil, mais bon, il est trop puissant au début, je suis obligé de me dépêcher. Ça devient lourd, Jack! Oh.
Putain, il est trop lent, sérieux. C'est du jamais vu dans des jeux. Là, sachant qu'ils jouaient à sauter des shooters, les Resident Evil. Réellement. C'est agaçant comment le personnage est très lourd à contrôler dans les en combat. Et ça, je le savais. Hein. J'avais déjà vu les critiques concernant ce problème-là. Comme un jojo. Il descend l'échelle comme un con. Ça aussi, on peut pas sauter des échelles, c'est pas normal. Mais bon, c'est Resident Evil, ça c'est tout à fait normal. Apparemment, chez eux, dans la vie réelle, ils descendent comme ça, les échelles en situation grave. Je vais pas prendre des soins parce que j'ai mal joué dès le début. Je vais le laisser me tuer. Je continue quand même à shooter juste pour la forme. Regardez-moi le temps qu'il met pour recharger son arme quand même. Le petit con. Allez, tire-moi ça. Ça a marché, sérieux? Depuis tout à l'heure, je charge. Hein. Faut... Regardez-moi ça. Depuis tout à l'heure, il charge la même balle. Hein. J'ai encore des munitions là-haut, je sais, je... Bon. Charge-moi cette saloperie, sérieux. Non mais regarde, j'appuie sur la même touche depuis tout à l'heure. Il est où ton dernier œil, il demeure. C'est lequel qui manque? Il est là. Arrête de bouger! Oui, toi aussi. J'arrête de bouger si toi aussi t'arrêtes de bouger comme un con. Il m'a bloqué en plus. Body block. Ouais, complètement. Mais il n'y a pas que ça, le déplacement de personnages extrêmement long aussi. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, 4 ans pour moi. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Il est où ? Oh,
Ok, il y a un œil en bas. C'est ça? J'étais même pas à portée, mais bon, pour eux, c'était à portée. Non, clair, c'était pas la peine que j'utilise toutes mes munitions. Pas comme le père avec le premier combat, ou même en utilisant les munitions ou n'importe quoi, on peut accélérer le combat. Là, c'est vraiment les yeux. Ah, saloperie. Oui, je peux pas viser avec cette merde. De là où je suis. Il faut être que ça soit à bout portant. Putain. Il faut que ça soit à bout portant avec cette arme. Cette arme, ça c'est une vraie merde. Hein. Faut que ça déjà avec la mer, quand j'attaque avec ça, c'est à bout portant. Ouais, descend. Voilà.
Ouais, c'est les yeux, mais bon, je voulais voir si, comme dans les autres combats précédents, au final, je pouvais tirer en fait sur les boss là où je voulais. Au final, ils avaient quand même leur vie à s'amenuiser. Ça accélérait même le combat. Je pensais qu'il fallait le faire de manière stratégique, ça marchait pas, notamment contre le père. Le père, j'ai passé près d'une heure face à lui pour finalement me rendre compte que j'aurais pu le tuer. Utiliser toutes les cartouches que je voulais, ça marchait aussi. Pour ça, je voulais voir si peut-être ça marchait mieux. Mais là, c'est vraiment les yeux. Hein. Ça devient lourd, Jack. Exactement. Thank you.
putain, la saloperie. J'ai tout vu. Oh, fais chier, l'emmerdeur. J'ai plus rien comme d'habitude. Ethan, par ici. Utilise le sérum sur lui. Je le guéris. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens, Mia nous attend. Toi aussi, t'es une sacrée emmerdeuse, hein. Comme Mia, y'a rien à faire. C'est moi qui a fait tout le boulot. Putain, sérieux? Il me reste plus rien, rien du tout, comme d'habitude. Y'a un truc à récupérer. Ouais, on va passer avec ces munitions là. Moi, c'est le lance-grenade, ouais. Et le fusil. Merci. Ouais, c'est celui de dessous, c'est lui qui me faisait chier à chaque fois. C'était toujours le même. C'est pour ça que j'ai pris plus de riches et je comptais reset la partie, hein, ça, j'avais mal commencé. J'ai dû en utiliser un. Il ne reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, à partir d'ici, comme je l'ai dit, moi en réalité, je connais l'histoire. Il y a une vraie fin et une fausse fin. Juste pour avoir l'avis du chat, laquelle des deux vous voulez sauver? Je peux sauver qu'une seule. Donc, soignez Zoé ou alors soignez Mia. Juste par curiosité. Vous choisirez laquelle? Moi, personnellement, j'aurais bien voulu choisir Zoé. Elle m'a cassé les pieds, Mia, mais d'une force. Ça lui aurait égal. Je vais quand même choisir Mia, parce que Mia, en réalité, c'est la vraie fin. Ouais, moi aussi, j'aurais choisi Zoé. Mais en réalité, Zoé, c'est la fausse fin. Je connais les deux fins, en réalité, moi. Ouais, je sais, Bragan. C'est cette pouffe-là, en fait, qu'on doit soigner. Mais en réalité, moi-même, j'aurais choisi Zoé. Elle est insupportable. Mais vous n'allez pas avoir une bonne fin, franchement. C'est pas la vraie fin avec Zoé. La vraie fin, c'est elle. Salut, Little Alaska. C'est gentil. Merci. Donc, de toute façon, alors, on a quoi? Une majorité de qui? Mia, Zoé. Vous êtes une majorité de Mia. Donc ouais, on va devoir sauver la pouffe pour avoir la vraie fin. Elle, c'est pas la vraie fin, dommage. J'aurais bien voulu choisir elle, honnêtement. Allez, je sais pas si j'ai pas sauvegardé. Non, j'ai pas eu de sauvegarde automatique en plus. Donc en clair, il vous oblige à l'affronter lui si vous voulez recommencer avec l'autre personnage. Allez, on va soigner donc Mia. C'est bon.
C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé, partez! Partez tous les deux! Viens avec nous. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. T'es contente, la pouffe? Ah, je peux plus regarder Zoé. Je sais ce que tu endurais. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein? Écoute, je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. C'est pas tout. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Ok, on contrôle Mia donc maintenant. On est arrivé au bateau, le fameux bateau dont tout le monde parlait depuis le début de l'histoire. Vous entendez pas tout, pas trop le dialogue, sérieux? Pour tout le monde, il y a le même souci? Je peux changer. Alors attendez. Un instant. Voilà où est-ce qu'il est. Ok, ici. Ah, dans l'inventaire, elle a quoi? Flacon étrange, un étrange flacon trouvé dans votre poche à votre réveil chez Baker, c'est probablement important. D'accord. Je mets les sous-titres pour ça parce que parfois c'est incompréhensible qu'est-ce qu'il raconte, mais dans tous les jeux, hein, y a des moments où parfois c'est incompréhensible, c'est pour ça que je mets toujours les sous-titres. Je sais que certains ne jouent pas avec les sous-titres, moi j'ai toujours mis les sous-titres parce que avant je jouais sans les sous-titres, mais j'ai regretté, il y a eu des bonnes séquences qui sont passées où par moments tu comprends, on comprenait pas les dialogues, comme vous savez je suis attachée à l'histoire moi-même. Frori vous entendrez mieux là comme ça. Allez, alors, où est-ce qu'on va aller? Après, il y a moyen que j'augmente le son du jeu en réalité. Voilà. Le jeu va être même bien plus. Voilà, le jeu va être un peu plus puissant que même ma voix. Donc en cinématique, vous m'entendrez plus, vous m'entendrez le jeu. À vous de me dire si le son est ok. Alors, donc, le bateau. On va
Voyons voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Après, à l'instant, je suis assez une ligne droite. Hein. Je peux pas en réalité aller où je veux. Faut juste que je suive ce chemin. Ethan ? Ethan ! Il a un peu les cheveux grisonnants, Ethan. Voilà la pouf. On te sauve et voilà qu'est-ce qu'on gagne en te sauvant. Ok. Donc il n'y a rien. On va devoir entrer ici. Les soucis, ça va, Kat. Ok. Je pense qu'il va falloir remettre en route ça pour qu'on ait l'électricité sur ce bateau. De toute façon, j'ai pas d'armes. Pas le choix, il faut que j'avance. Vérifie juste. Ouais. Clairement, on peut pas passer. On peut pas courir. Hein. Il faut juste marcher avec elle. Ok. Elle commence à retrouver la mémoire. Qu'est-ce que c'était ? Ok, on continue. Juste un instant, je règle de pas avoir un mètre à côté. Voilà, c'est bon. Quelque chose ici. Non, oui, bien entendu. On fait ouvrir un tiroir vide. Merci. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis ? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes ? Elle les a tous tués ! Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire ? Je ne sais rien. Elle a retrouvé la mémoire. Elle était donc là quand ils discutaient. À l'équipage. Ah, je pensais que c'était un truc de soin, moi. Rien, on peut pas toucher ça. Ok, donc on me demander de sortir. Par quelle porte je... Ah voilà, il a le passage, j'étais en train de me dire. Ah mais merde, attendez, il y a une porte, je vais pas regarder, remonte. Elle remontera pas, je voulais regarder la porte, mais bon, je suis plus sûre certaine, je pouvais pas y accéder de toute façon. Non. Ah,
Dans ce jeu, les personnages ne savent pas non plus sauter, grimper, voilà. Un gamin de 4 ans peut remonter là-haut, mais non. Bon, ok. Alors voilà pourquoi je voulais pas sauver Mia. Mais bon, je pense que cette porte, elle est condamnée. Ils veulent nous forcer à passer par là. Je pense pas que j'aurais trouvé quoi que ce soit. Ça s'ouvrira à fond. Le truc, c'est que bon, comme je suis complètement désarmée, je risque pas de tomber sur un truc dangereux. Hein. Parce que sinon, je serais pas long feu. Ok. Alors. Registre de l'équipage. Capitaine Ed Carlyle, chef mécanicien Paul Fitzgerald, premier lieutenant. Giovanni Finetti, deuxième lieutenant Clark Walsh, mécanicien Dwayne Chalmers, technicien des communications Jim Stockman, médecin de bord Gérard Waddell. Ouais, mais je veux pas retenir tout ça, hein. Je veux pas non plus devenir pote avec tout ce monde, surtout qu'ils ont dû tous crever. Voilà, on est bien d'accord. On va échapper à quelque chose. D'accord, non, clairement. Elle n'est pas ma fille. D'accord. Elle est à l'intérieur de moi. Voilà, elle est en moi. Elle est en chacun de nous. Ok. Possession donc. Il n'y a pas un prêtre qui traîne dans le coin pour procéder à un exorcisme peut-être ? On va monter là-haut. Je pense pas qu'elle puisse sauter, ouais, elle peut pas sauter d'ici. Ok. Ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment linéaire. Comme je suis désarmée, je cherche à me faire visiter le bateau. Est-ce que tu te souviens? Quoi? Qui es-tu? La pauvre Evelyne. Ok, on continue. Descend. On redescend, de toute façon il n'y a pas de choix. Et remonter par là. Il n'y a toujours rien, sérieux? Il n'y a rien à ramasser? Rien du tout. Okay. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. De quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit! Pas débloquer cet accès, on est bien d'accord.
ici par contre il y a bien le courant. Moi, je peux pas y toucher ces caisses pour l'instant. Ok, à partir de maintenant ça va démarrer. Il y a un truc là-bas. Ouais, c'est ça. Il y a des bestioles. Oh, ça y est. Faut que je fouille la pièce. Ici où je devais aller. Pourquoi ils savent pas ouvrir les portes. Ok, sans issue donc. Il y a un accès là-bas. Palette loupe, exactement. Comme quoi, ce qu'on a pris sur Dead by Daylight, ça sert. Bon, elle monte la garde devant la porte, elle là-bas. Allez, on y va en courant. On court un peu, Mia, sérieux. Ne me fais pas regretter mon choix. Bien fait pour ta gueule, Mia. Mais bien fait, sincèrement. Ah bah, tu peux pas entrer ici, normalement. C'est ça, tu peux pas entrer ici. Ah bah voilà. On a le pistolet. Sauvegarde. Ouais. Ouais, tant pis, on va sauvegarder avec Mia. Alors. Par contre, faudrait pas que je fasse au sauvegarde là où justement. Tout juste avant le combat contre l'homme fer. Dans le cas où je souhaiterais le refaire avec l'autre. Avec Zoé. Laisse-moi passer. Je te promets, j'aurais laissé la bouffée à du bon cœur. J'ai besoin d'elle, donc désolé. Psychostimulant, on va les utiliser les psychostimulants. Ok. Ah ben, journal des bords. Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui nous est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormie quand j'ai entendu le rire d'une gamine, ou peut-être que c'était dans ma tête. Je me suis levée à 19h30, il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un des mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait là en bas. Peut-être une mutinerie.
Son visage était blême. Il a décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendue à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles d'un requin. J'ai crié comme une fillette et pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris Céline, je suis recroquevillée dans le dortoir avec la peur de dévorer à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures. Il m'arrive encore d'entendre des hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti. Ok. Pas si je peux ouvrir ça, on va laisser. Je peux pas, j'utilise. Ouais, on va prendre ça, c'est pas plus mal. De toute façon, j'ai que deux balles. Ah non, mais merde. Attendez. Allez, qu'est-ce qu'on est censé trouver donc? Rien ici. Ok, les balles. Mais ça aide énormément les psychosimulants. C'est pas pour rien que je l'utilisais pas. Bon, allez. Jeannette, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras ces lettres. Cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer, encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière. Ils doivent vraiment être fauchés. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Ok. Bon. Ils étaient donc sur un pétrolier ici. Ok, je sais c'est lui. Ah oui, ok. C'est que j'étais derrière. On va descendre. Ah ok, merci. C'est bien Mia, c'est bien. T'es d'une intelligence exceptionnelle. En fait, la dernière balle, je crois que je vais la garder pour lui mettre une balle dans la tête. Je serai débarrassée d'elle une bonne fois pour toutes. Salut, Yaf. J'ai rien utilisé. Ah, fusible, s'il était là, ok. J'avais même pas vu que j'avais pris un fusible. Ferme-moi cette porte avant qu'il vienne me casser les pieds. Alors, on a un plan, mais je peux pas la récupérer, c'est dommage ça. Mais elle a un plan, elle, ou pas? Si, elle l'a au final, le plan. Bah, en fait, c'est que les niveaux qu'on a parcourus. Ouais, c'est ça. J'étais en S3, je suis montée en S2, voilà, c'est ça. C'est les lignes droites que j'ai faites. C'est bien ça. Ouais, c'est juste les salles que je découvre au fur et à mesure, c'est tout pour l'instant. Elle n'a pas de plan. On va commencer ici. Ah, ok, on va pas commencer ici au final.
D'accord, ok. Salut Sid, salut aux nouveaux arrivants. Il y a rien, il y a toujours un étage. Ok, on vérifie celui-là. On peut entrer là. On va me faire faire le tour des étages. Ok. Non, sérieux. Regarde ça. Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Ok, si tu veux. On a cru voir la vieille quand même quand on est entré. Je crois que c'était la vieille moi qui était assise. On peut lui coller une balle dans la tête à elle? Vidéo cassette. Vieille cassette plutôt. Alors, une cassette vidéo recouverte d'une structure, recouverte d'une substance noire semblable à de la moisissure. Ok. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens. Il contient des échantillons de ces tissus. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Evie. Evelyne. Division des opérations spéciales, directeur Alan Roney, responsable Miam Hunter. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Ah ben, en attendant, Evelyn n'a pas été éliminée. Hein. Ah, attends, munition. Sérieux, pourquoi j'ai pas eu de mitrailleuse dès le début de la game moi aussi? Regardez, munitions de mitrailleuse. Munitions sont là que mitraillette. Mitrailleuse P19. À haute cadence de tir. Sérieux, pourquoi moi j'ai pas eu ça dès le début de la game? Échantillon de tissu, Evelyn. Un petit flacon. Ah, c'est donc un échantillon. Un petit flacon contenant des échantillons de tissu d'Evelyn. Allez. On reste au couteau. Il est moins angoissant le bateau comme ça. On va commencer par là. Elle est proche. Ah d'accord, regardez la cible. Le nombre indique la distance jusqu'à la cible. D'accord, ok. Alors, je dois finir à explorer l'étage. Ça, c'est la sortie. Ok, je crois que c'est un lecteur de cartes, ça, ou d'empreinte. Thank you.
c'est assez sur ça que je dois utiliser, je pense, la matière bleue. Faudrait que je retrouve, que j'efface après. Ok, c'est condamné. Donc on va faire le tour maintenant de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y a, puisque je, pour l'instant je ne peux pas accéder à la salle centrale. Ok. On peut monter. Ok, on va finir d'explorer par là d'abord. Je pense que ça vient de la salle d'à côté. Ça. C'est bon, mais on peut y accéder par le tunnel qui est à côté. Je vais pas y aller tout de suite. Je vais juste finir de fouiller. Des munitions. Ok. Tout mène à la même salle. Ah ouais. Et là, c'est pareil, c'est bon. Un lecteur de cartes. Donc. J'étais là, non? Si, j'étais là. Ah, j'étais là. On va commencer par le tunnel et je pense que je ressortirai par cet accès-là. En réalité, c'est tout simplement ça. Voilà, monter. Maintenant, c'est grimper. Hein. Il n'y a plus qu'un problème pour ça. Mais j'étais là au final. On va aller dans le petit accès que j'ai vu tout à l'heure. Oui, c'était là justement. Il y avait un accès en bas. Voilà, il est là. Elle vomit. Merde, je dois la réinitialiser. Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver, vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Ok. Ok, Evelyn. Elle, quand elle vomit, ça donne ça. Donc la salle où on était, maintenant c'est déverrouillé. On va aller là. C'est plus efficace. Hein. Ah non, il peut me donner ça plus tôt. Bonne nuit, psycho. On revérifie. Ah, il est là. Oui, bah, il est toujours là. C'est pas lui la balle qu'on a entendu être shootée. Ah, il est là. Allez, on reste deux. Ah,
pas de surprise. De toute façon, il ira tout seul à cet étage en question. Ok, on peut pas grimper là. Voilà, voyons voir. Bien loin d'elle. Oh, on sent les noines, mais bon, c'est pas grave, ça, on sent les noines, puisque dans tous les cas, là, j'ai pas le choix, comme vous l'avez compris. On me demande d'aller et de prendre cet itinéraire là. Plus puissant que les autres, je les aime pas. Ok. De toute façon, j'ai rien. Ah, on a... Ok, on a des bombes. Putain, elle a des bons trucs. Quel sérieux. Hein. Moi, on m'a donné un petit canif pour me défendre. Vous allez voir, à tous les coups, lorsqu'on sortira de la vidéo, elle va me donner un petit flingue. J'aurai plus droit à la mitraillette. Pétrolier, ça, c'est étonnant qu'il ait pas explosé, ça. Okay. Toujours fin. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte, mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. T'es au niveau inférieur, c'est ça? Regarde dans nos affaires. Ok, il faut mettre une bombe ici en clair. Avant de mettre ça, on va regarder ici. Y a rien à prendre. Non, y a rien, ok. J'ai pas voulu utiliser ça, c'est pas vrai ça, c'est ça que je... Télécommander une bombe pouvant être activée à distance, appuyer sur R pour pouvoir faire exploser. D'accord. Ah d'accord, ça suffit, c'est pas comme ça, donc ok, on va
va sélectionner. Ok. Comment on utilise ça? Bah oui, mais j'aimerais bien la... Ah d'accord, il faut la poser ici. Ok, on est d'accord. On va se mettre là. Ça a l'air d'être assez raisonnable. Voilà. Sérieux, ça pas suffit? La faire fondre, donc c'est pas la faire exploser, il faut la faire fondre. Référé, mais non, a priori il n'y avait pas de chance. Je pense pas devoir faire sauter ça. Est-ce qu'on me demande de vérifier ses affaires? Ses affaires. Que ça demande en train. Il y a quoi là? Non, rien. Ok. Ouais, les autres, c'est la tête de con qui parle. Hein. On a fait le tour, donc clairement, c'est pas ici. Enfin, je vais remonter, mais je vais pas utiliser la deuxième bombe. On va utiliser la deuxième bombe, j'ai un doute quand même. Ça a rien, vraiment rien fait. Ah, n'importe quoi, qu'est-ce que je viens foutre ici? Ça a réellement rien fait. Je
Tenter la bombe. Peut-être que la bombe fera comme ça. On va retenter la bombe. Ça m'ennuierait de les avoir utilisés pour rien. Ma programme donne toujours largement de quoi faire. Je pense pas que j'ai à faire sauter ça. Ouais. Ici, y a rien. Et... Oui, là les affaires. Donc c'est bien la bombe. Bon bah, pas grave, j'aurais fait le tour. Parce qu'il y a clairement rien. À moins que je rate un truc. Aussi il va rien me donner. Rien. Toujours pas. Ok. Ça c'est la porte qui est pas. Il n'y a rien en réalité. Mais à part là. Ouais, bah, normal que ça n'agit pas là, c'est pas sans utilité. C'est pas ça sans utilité. Pas utilisé. Ah oui, effectivement. Tant pis pour la bombe. Allez. Ah ouais, c'était du corrosif. Tant pis pour les bombes. Elle a un couteau. Voilà le couteau, elle. Et ça. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Voyons voir. Ouais, juste le soin. Ah, c'est pas grave, on va faire ça donc. On va reprendre ça. Non, pas de spoil s'il vous plaît, commencez pas. Ou alors je crois que je vais éteindre le chat directement. Et à ce moment-là, je répondrai à personne. Corrosif. Je ne suis pas fâchée. Attends, comment tu m'as appelée? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie, je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord? Tu es vie. Assez éloigné. D'ici, ah tiens, un livre, il me demande rien à faire avec. Ah. Evie, attends! Est-ce que tu l'as trouvée? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyne. Là, oh, il n'y a plus rien. Ok.
verra Pop encore. Non, je savais. Bonne nuit, Chloé. Ok, elle est là. Troisième. Non, premier. C'est là où elle s'arrête. Non, non, elle est montée au troisième. De toute façon, on me demande à chaque fois, voilà. J'ai pas à choisir dans tous les cas. Système de verrouillage d'urgence activé. La tête leur alarme. Elle est où? Ah, je sais plus. Elle regarde plus sa main. Si? Non, c'est ça. Elle regarde plus sa main. Non. Il est plus là. Et puis en haut. Alan! Alan, où es-tu? Elle l'a chopé, et bien en haut. Pas de fusil. Okay. Ah, peut-être le corrosif. Okay. Si, c'est bien ça, c'est le corrosif. D'accord, on m'en a donné deux. On m'a donné deux de moi. Excuse-moi.
il y a un recul en réalité quand j'utilise la mitraillette, c'est normal. Du coup, on va utiliser le corrosif ici aussi. D'accord. Ça c'est bon. D'accord. Ah ça c'est le tracé, d'accord, c'est condamné, je viens juste de faire le tour. J'ai plus le signal des vies. On ne peut pas l'utiliser ça. D'accord. Je ne peux pas le prendre. Ah si. Ok. On va le garder. Ok, il faut monter ici. Elle est en réalité un agent. C'est utilisé ça, une mitraillette, c'est un agent. Je pense savoir, elle fait partie des quelques. Il y a certains trucs que j'ai oublié de Resident Evil. C'est la raison pour laquelle parfois je peux mettre un peu de temps. Ah ok, on va accéder à l'étage. On va fouiller pour l'instant. De toute façon, ouais, y'a rien. Y'a rien, y'a pas de choix. Quel étage? Ah, il est en haut, il est là. Donc on va monter. Oui, elle est montée au troisième d'ailleurs, ce qui était indiqué sur l'ascenseur. C'est ça, 44. Salle de vidéo où on a enclenché tout ça. Okay. Pas de lecture. Okay. Il est là. Comment es-tu arrivé ici? Oui. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Oh, foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Elle te fait confiance. Cette petite personne, machin. Oh non, attends. Evie, non, Evie, Evie. Alan, je voulais pas que t'as fait comme ça. Elle Evie. Essaie de prendre le contrôle. Non, je voulais pas. Tu dois la combattre. Est-ce que je voulais? Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! Oui, maintenant elle se souvient. Non? Ah bah non, je suis toujours dans la vidéo. Hein.
mensonge. Je crois qu'il y a un truc à prendre. Ah voilà, l'ordinateur. Ah, je sais qu'est-ce qui va se passer, ok. C'est la séquence du tout début, hein, là dans la cinématique. Mais on n'avait pas le bruit par contre des alarmes au tout début. Ça, je m'en souviens parfaitement. Ok, allez. Bon, j'entrerai vite. Ah, d'accord. On va être ensemble pour toujours. Tu te souviens maintenant? Oui, Evelyne. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Ok, Evie. Ah, forcément, on me donne maintenant, je retrouve mon petit flingue. Ma mitraillette, c'est fini. Et on me demande de tuer ces mêmes créatures avec ce petit flingue, sérieux. Ouais, alors chercher Ethan et pas 1. Ok, maintenant du coup, on connaît cet endroit, l'ascenseur qui nous a démoli. Les toxines. C'est jour que. D'accord, ça c'est pour l'échantillon, pour le remède. Quelqu'un a pris le contenu. Ok, c'est, il est là le remède. Ah, maintenant t'as une lampe torche, hein. Tu sais l'utiliser. Ah, je sais que j'ai laissé des pièces derrière. On va commencer par ici, on verra après. Ok. Ok, et le PC où on avait envoyé le message, il est cassé. Et ici, nous on les a pas encore ça. Ok. Ok.
passé à côté de quelque chose, donc. D'ailleurs, c'est quoi? Ouvrir la porte avec un corrosif. D'accord, on doit trouver un corrosif. Tiens, 4F, ça continue à monter en réalité. Ah, mais elle a pas la force d'éteindre. Ah non, c'est bloqué, c'est pas qu'elle a pas la force d'éteindre. Ah, fait chier, j'ai pas fait attention à ce qu'elle les a pris, ces corrosifs. C'était pas à cet étage que j'ai trouvé les corrosifs. Ah, de toute façon, je peux l'ouvrir. Ok. Ah, j'aime pas ces séquences où on doit traverser dans l'ascenseur, on sait jamais à quel moment il peut se renclencher. Ok, allez. On va monter au quatrième étage, donc par les escaliers, puisque par la porte, c'est condamné. Ah d'accord. Et la caméra. Ça marche encore. Essayons. Ah d'accord, on peut changer de caméra. Okay. Caméra 2. Ah, il y a Ethan, voilà. Il est en caméra 5, S2. Ok. Niveau inférieur. Donc voilà, en S2 pour Ethan. Menteur ! Arrête ça, Evelyne ! Putain, sérieux ? Je m'y attendais pas. Putain d'hallucination. Où est-elle ? N'empêche, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'Evelyne ressemble à Mia. En tout cas, au niveau des cheveux, ils l'ont fait assez similaire. Et niveau mental, elles ont l'air aussi dérangées l'une que l'autre. Ah d'accord. Crochetage encore une fois. Il y a quoi dedans? Oh, ma mitraillette! Non, rendez-moi ma mitraillette! Oh, sérieux? Mais non! Casse-moi ça! Ah, ça y est, on a le plan de navire. Il y a un autre jeu d'horreur où ça se passe sur un navire qui est très populaire. Je sais plus le titre, faudrait que je regarde ça. Ça fait penser à ça. Alors, la clé en croix. On doit devoir débrouiller quelque chose avec. Premier corrosif que je trouve, ça va, c'est certain, je viens là. Allez, bah, c'est l'épave 4F à la cabine du capitaine. Voilà, je vais retenir ça, la mitraillette se trouve là. En attendant, c'est vrai que je trouve pas de munitions à part la poudre à canon. Donc c'est là où j'arrive. Ah mais ça c'est la porte quand même, là où j'arrive, il me semble. C'est de là que j'arrive. Non, même pas. Si, c'est par là, c'est par là que je suis arrivé. Ah si, c'est bien ça. Donc on va devoir prendre l'ascenseur. Je sais pas,
je vais vérifier. Juste un truc. C'est ça. Il me semble que là, je suis pas allé. Ah mais non, c'est l'escalier, d'accord, ok. Ouais, et la porte qu'on donnait. Bon, bah ça risque pas de bouger, ça, en tout cas. Beau plongeon. Pas mal, Mia. Là, c'est là où j'étais avec Evie. Ok. Mais c'est pas ça que je... de la mitraillette. Ah, j'ai sans doute raté quelque chose en haut. Il faudrait que j'y retourne, je pense. Parce que, de toute façon, ici, je suis bloqué. Hein. On m'a donné cet outillage, c'est que je peux débloquer quelque chose. Ouais, c'est ça. Je suis condamné ici, donc on va y retourner. Ah, ça y est, tu sais plus monter. Ouais, non, là, je sens bien rien. Ouais, non, il n'y a rien, c'est bien ce qui me semble. Donc, où est-ce qu'on peut utiliser ça? Je sais même pas comment un pétrolier peut arriver ici. Alors, quel écrou ils veulent que je desserre? À aucun moment j'ai vu les écrous desserrer le problème. Des écrous à dessert. Ok, donc en clair,
Pour trouver la clé, il faut que j'accède à quelque chose qui est verrouillé et que dans les, la clé en croix me permettra de déverrouiller. Où est-ce que j'aurais pu tout passer à côté d'un truc à déverrouiller? Je pense pas qu'il est caché ici, je suis sûr qu'elle s'est déplacée quelque part. Un truc à dévisser sur un des deux étages, soit ici, soit l'autre, de toute façon. La salle de contrôle, c'est quoi ça, tu... Enfin, serrure métallique, petite serrure. Ok. Ah, fait chier. On va essayer de redescendre en 3F dans ce cas-là. Il y a un truc ici, il y a une serrure, justement, ça doit être là-bas. Donc... poste sécurité. Donc c'était bien ce que j'avais vu. Je fais un petit tour. Bon, c'est pas grave, on saute par là, rien à faire. Alors, en 3L. Et c'est par là, c'est ça. Ok, j'avais pas... Non, c'est pas ici. La clé est quelque part. Mais j'ai pas de corrélif, il me semble. Ça, c'est une bombe. La poudre à canon, munitions. Salut, Meg. Où est-ce que j'aurais raté quelque chose qui me permettrait d'utiliser ça? Je cherche un endroit... Alors attendez, j'ai rien moi pour l'ouvrir, ça part, c'est pas avec ça. De toute façon, il n'y a jamais ça là à l'intérieur. Celui-là, c'est cassé. Attendez. Le canon. Non. Je suis en train de passer clairement à côté de quelque chose. La sauvegarde, parce qu'ils savent que du coup c'est aussi une résolution de mini. Non mais de toute façon on a vu la vidéo, il n'y avait rien d'autre après. Pas accéder à d'autres niveaux. Je suis bloqué entre ces deux étages. Donc ça se situe entre ces deux étages, il y a quelque chose à déverrouiller. Quoi donc? Peut-être en dessous. Merde, il a dit que je pouvais descendre. Putain, mais c'est con. Puis tout à l'heure, je serais au même étage. C'est bon, il y a deux côtés. Bon, bah, c'est pas grave, on va descendre au premier. Tout simplement ça. Ok. Donc, je dirais que je fasse cave, j'ai que ce flingue et le flingue en réalité il va rien leur faire. Okay. Est-ce que j'avais un truc à déverrouiller ici? Ah, ça y est, j'ai pas retenu. J'ai pas du tout retenu qu'est-ce qu'il y avait à déverrouiller ici. Je sais qu'il y avait plein de trucs à prendre. Ok, là au moins c'est vite fait. Il y avait rien. De toute façon, oui, non, ça c'est de là où on est arrivé. Je pense pas que je puisse y accéder puisque je suis censé aider Edson. Pareil, ça il va falloir. Je vais essayer, mais non, il faudra de. Justement, la matière, la substance qu'elle a trouvée. C'est dans quelle pièce qu'elle l'a trouvée, ça y est, je suis complètement oublié. Ah, c'est là-bas. Là, c'est toujours là.
On m'a donné les explosifs pour les tuer sans doute. Juste voir, il y en a combien. Sinon c'est bien, ça sera bien pour vous a priori. Je vais voir, il y avait des pièces par là. Je laisse ouvert pour être certaine d'avoir déjà fouillé. Alors, si je repasse sans la recherche de quelque chose. On va fermer parce que j'ai rien pour les affronter les autres. Ok. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Ça, c'est autre chose. Enfin, c'est ce qu'on a dit en fait. Est-ce que je suis en bon état? D'ailleurs, il y avait la salle de sauvegarde ici. Il y avait une salle à cet étage-là. La salle où je l'ai laissée. Je pense que c'était elle. Ah d'accord, on peut le tuer, il y en a avec ça. Je me demande si on peut pas mettre le fusible. J'ai encore accès à ce fusible. Je sais pas si je peux enlever le fusible qui est là-bas. Si. On peut l'enlever. Ok, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ça a débloqué quelque chose d'autre. Faut que je fasse gaffe, il y en a encore un autre qui se balade quelque part, je sais pas trop où. Peut-être ça a donné accès à la salle qui était verrouillée de l'autre côté, je pense. Donc ça, c'est le dortoir, j'y étais déjà. Allez, il y a une salle qui était justement condamnée. C'est pareil, c'est le dortoir, là, celle où j'étais. Ouais, c'est ça. C'est ouvert pour voir. Plus j'ai de la. J'ai où courir au cas où il se ramène parce qu'il y en a encore en vie. Je comprends pas trop où est-ce qu'il est parti. Et voilà, j'ai la réponse à ma question. Va crever. On va utiliser ça. Mais j'ai plus rien. A priori, je devrais plus recroiser quoi que ce soit. Elle est là, la salle de sauvegarde. Ah, mais c'est S2, là où j'avais laissé le capitaine. C'est l'état justement que je peux plus accéder. Donc en mettant là, qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué probablement un truc. Ça, c'est là où j'ai enlevé.
Ah, mais c'est de là où j'ai enlevé le fusible à l'origine. Je pense que c'est ça. Le fusible était là-bas et je l'ai enlevé pour activer la porte. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien. Et je vois toujours pas quelque part un endroit où utiliser ce truc-là. Croisière sur Amazon. Beauté du lagon noir. Oh, effectivement, ça a mal fini cette croisière. Pareil. Allez, on va remettre le fusible là-haut, là-bas. Là où il était. Ça va manquer une porte, mais au final non. Allez, ouvre-toi. Ah oui, il y a l'autre étage, etc. C'est ça que je me disais, que je voulais voir. Mais a priori, je peux pas y réaccéder, il n'y a rien à faire ici. Voilà, c'est bien ça. Verrouiller le deuxième, c'est le deuxième que je dois accéder justement. Il n'y a pas une interaction à ce... Non, on peut pas interagir. Ouais, c'est ça, les condamnés, on peut pas. Ouais, de toute façon, il y a... ouais, y aura tout ça à faire pour le deuxième. Et là, il faut un corrosif, d'accord. C'est ça, en fait, le dessin. C'est le dessin du corrosif. Cabine du capitaine. Ouais, mais il ne reste plus que ces étages, en réalité, c'est tout. Puisque tout le reste, je ne peux pas y accéder. Voilà, ici, c'est un corrosif. C'est pour ça que je ne peux pas y aller. Voilà, et ça, c'est l'escalier que je ne peux pas accéder. La buanderie, j'y étais. Les dortoirs, voilà, là où j'ai passé mon temps à tourner. La salle de sauvegarde. Et les escaliers que j'utilise depuis tout à l'heure, je vois pas trop qu'est-ce que... Voilà, deux ailes, je peux pas y accéder. Les escaliers par où je suis en train de passer, sécurité, machin. C'est le truc, ouais, voilà. Ah, sérieux, des trucs que j'ai trouvé à plein avec Ethan là qui me permettent de trouver les objets cachés. Là, par contre, elles ont été utiles. Ouais, je peux pas interagir avec, c'est pas. Pareil, c'est un corrosif qu'il me faut. Et je n'ai toujours pas de corrosif.
pas le toucher. Ça a été à voir que j'ai fouillé. Non, toujours pas, Elias. J'ai pas fait exprès en plus, mais j'aimerais bien que ça marche ça aussi. Ouais, je me doute bien que ça marche pas. La soirée. Il est minuit. On va pas tarder à s'arrêter. Je vais jamais au-delà de minuit, comme je sais qu'il y en a certains qui doivent faire dodo. Enfin, pour Resident Evil, hein, pour Dead by Daylight, comme les chiens, comme les matchs se suivent, et que ça reste toujours le même principe, ça pose moins de problèmes. Je sais qu'à partir de minuit, certains vont devoir bosser pour demain, donc il faudrait qu'ils aillent faire de dos. Je continue juste à vérifier, parce que ça me gonfle de ne pas trouver comme ça ce truc-là. Je passe clairement à côté de quelque chose. Là ça va parce que je sais qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. On va pas dire que je flippe, non. Mais il y a des situations qui te font sursauter. Mais là ça va parce que je sais qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de monstre, il n'y a rien du tout. Donc je me bats là surtout pour essayer de trouver qu'est-ce que j'ai manqué. Parce que je trouve pas la clé de ce petit coin de capitaine. Pour sécurité. Salle de contrôle, on est bien d'accord. Ça c'est l'ascenseur. Un 2F c'est condamné. Un F, pareil, j'ai visité. Je retournerai en 1F, peut-être sur un F qui a quelque chose. Et j'irai à la salle d'entretien tant qu'à faire. Allez. Et pavé 1. Alors attendez, il y a le bureau là. Attendez. S2. S3. Ah mais oui, mais c'est normal, lui. Je viens de comprendre. Mais ça, c'est normal, je peux plus y accéder. Ça, c'est S2, c'est là où il est. S1, le bureau. Le sous-sol, moi, ouais, mais le sous-sol, je peux plus y accéder. C'est ça en réalité, c'est l'accès qui est là. Je peux plus y accéder, moi, au sous-sol. Je crois. Je sais pas, je vais essayer d'accéder au sous-sol. Enfin, on va y aller. Ça s'ouvre pas. Ça c'est le 1F, on peut pas, on me permet pas de descendre plus bas.
Et après, elle... Ouais, mais voilà, c'est bien, j'avais bien compris. Je peux pas accéder plus bas. J'avais un accès par là. Ouais, bah voilà, il est là l'escalier, mais c'est que je pensais, je peux plus accéder au sous-sol. Donc ça concerne bien ces étages-là. Bon, je fais encore un petit tour, je sauvegarde et on reprendra demain. Demain, je sais pas si c'est 19h ou 21h, je vais voir ça. Ma priori, ça sera 19h. Après, oui, je reprendrai à 19h. La lettre, oui, la personne. Oh, sérieux, j'ai trouvé que maintenant ça. Ouais, mais a priori, je peux pas l'utiliser. Moi, ouais, c'est juste un objet à admirer, c'est tout. Je peux pas l'utiliser. On peut pas, ok. Pareil, ça je peux pas le toucher. Ah bah sauvegarder, ça a été là. Le dortoir, là où j'ai fait tout le tour. Je vais aller à la réserve juste pour vérifier. Puis après, je me parie. On avait joué à cache-cache avec les accès. Ah, je vais pas tarder à m'arrêter, je reprendrai demain. Parce que là, il est minuit. On va retourner sauvegarder, on va s'arrêter là. Fabriquer le sérum, c'est elle, faudrait que je touche pas. Faudrait pas que je sauvegarde sur elle, faut pas que je me trompe. Alors 9,54 et 9,30, ok, on va effacer celle-là. Ok, pour Resident Evil 7, donc on va s'arrêter là. Je reprendrai demain, a priori 19h. Si à 19h je suis pas là, ça sera donc 21h. Sinon, donc... Je vous remercie de m'avoir suivi concernant Resident Evil. Je vais couper le double stream sur les deux channels, donc YouTube et Twitch, et je reprendrai sur Twitch pour Dead by Daylight après une pause de 15-20 minutes. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux que je ne reverrai pas sur Dead by Daylight, et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Merci.